Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. On est encore dans le thème de Noël, jusqu'après le premier de l'an, ça va rester comme ça parce que vous savez que c'est un thème que j'adore aborder. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes cadeaux de Noël, qu'est-ce que j'ai eu à Noël. Petit disclaimer avant de commencer, ce n'est pas du tout une vidéo pour montrer les choses que j'ai ou quoi que ce soit. Ne le prenez pas mal, c'est juste que ce genre de vidéo, moi j'adore les regarder, je trouve ça sympa. Voilà, surtout ça va parler make-up évidemment, de voir etc. ce qu'on a eu. N'hésitez pas vous dans les commentaires à mettre ce que vous avez eu pour Noël, que ce soit du make-up ou pas. J'adore voir ça et on commence tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai eu avec mes cousines ce joli bracelet que je porte aujourd'hui. Je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir ça de plus près, qu'il est juste là. J'adore, vraiment noir et doré, donc ce sont vraiment mes couleurs, c'est que j'aime beaucoup ces teintes-là. Et là vraiment je le trouve juste canon, il est hyper fin, tout ce que j'aime porter en ce moment. Ensuite avec sa sœur, donc mon autre cousine, j'ai eu des chaussettes sur le thème de Disney. Donc ça, évidemment ça pouvait que me faire plaisir. J'ai eu 3 paires, là j'en ai 2, celle-ci je l'ai portée aussi, donc voilà. Et la troisième paire, c'est une paire Mary Poppins, qui est les petites chaussettes Disney, je suis fan. Ensuite, avec mes grands-parents, donc j'ai eu des sous, voilà, peu importe. Avec ma maman, j'ai eu 2 choses. J'ai eu d'abord ce magnifique coffret de chez Benefit, je le trouve juste canon. Voilà, c'est un sourcil. C'est un coffret en fait qui contient des produits sourcils. Voilà, il était vendu chez Sephora, il est toujours vendu d'ailleurs chez Sephora. S'il vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, ce magnifique coffret, je vous en ferai une vidéo dédiée, je trouve juste sublime. Ce sont que des full size et on a du coup 5 produits sourcils plus un crayon, enfin crayon, un pinceau sourcil. Il est vendu du coup 65€ chez Sephora et comme vous pouvez avoir les moins 25% dessus, ce coffret là vous revient à environ 50€, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'était mon cadeau de Noël avec ma maman. Elle m'a également offert du coup un jeu de société que j'adore, c'est le loup-garou. Je l'ai pas avec moi, je l'ai oublié chez elle, du coup je vous mets des petits close-up également pour que vous puissiez voir ce que c'est. Je sais pas si vous connaissez ce jeu là en fait, c'est tout simplement un jeu qui consiste, c'est un jeu de rôle. Vous avez chacun un personnage, vous êtes soit dans l'équipe des loups-garous, soit dans l'équipe des villageois, et le but c'est que tous les villageois tuent tous les loups-garous et inversement. Donc voilà, c'est un jeu qui a des règles assez compliquées, mais je vous mets des petits close-up avec le résumé derrière pour que vous puissiez voir tout ça. Ensuite, avec mon frère et sa copine, je vous fais des coucous puisque je sais qu'elle va regarder cette vidéo, j'imagine. J'ai eu 2 cadeaux. Donc en premier, j'ai eu ce magnifique t-shirt sur le thème de Disney et de Noël. Donc forcément, ça ne pouvait que me plaire. Je le trouve vraiment trop trop beau. Il est vraiment magnifique. Hop, voilà. Donc je sais déjà comment je vais le porter. Je pense que je le porterai dans une jupe, voilà, pour le cintrer au niveau de la taille. Je trouve vraiment juste canon. J'adore. Ils l'ont trouvé à Pull&Bear ce t-shirt là, si jamais ça vous intéresse. Et la taille c'est du S. Et j'ai eu également avec donc toujours mon frère et Amélie, du coup sa copine, la sculpterie de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai pas mal parlé dans plusieurs vidéos. Donc c'est une palette moi a priori que j'achèterais pas parce que niveau budget voilà c'était pas trop possible pour le moment. Et effectivement chez Anastasia j'avais plus original. Mais il se trouve que voilà, ils ont quand même tenu à m'offrir. Ils savent que je suis une énorme fan d'Anastasia Beverly Hills. C'était donc la seule palette que je n'avais pas. Maintenant c'est chose faite. Je me suis maquillée avec cette palette du coup aujourd'hui. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. La première chose que je peux vous dire c'est que en vrai elle est beaucoup plus jolie en fait que en photo, tout simplement parce que bah, en fait les fards sont métallisés, sont vraiment magnifiques et c'est vraiment la force de cette palette là selon moi. J'ai prévu évidemment une vidéo dédiée puisque vous êtes pas mal à l'avoir demandé sur les réseaux. Donc voilà, puisque j'ai cette palette, évidemment je vais vous faire une vidéo à son sujet. J'attends de bien la tester, je vous ferai une revue complète de ce que j'en pense. Est-ce que je vais changer d'avis du coup? Mais voilà, vous aurez une revue complète sur exactement ce que j'en pense de cette palette. Donc encore un grand merci à eux. Il manque du coup le cadeau de mon cher papa qui est juste derrière, qui attend que je finisse de filmer cette vidéo en étant bien sage derrière. Voilà, je ne l'ai pas pour l'instant puisque on fait nos Noëls en décalé, on est une famille de soignants et malheureusement voilà, on peut pas tous se retrouver à Noël, mais dès que j'aurai eu mon joli cadeau, je vous le poste sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si c'est pas encore le cas. Voilà, écoutez, c'est tout pour mes cadeaux de cette année. N'hésitez pas vous dans les commentaires encore une fois à me dire ce que vous avez eu. Moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve également sur le blog. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye.